Le Centre d'essai de recherche de l'entente a pour vocation de travailler dans la prévention ou dans la lutte des feux de forêt. Donc, on a étudié les phénomènes de combustion et le risque potentiel d'inflammation des végétaux. Et on travaille aussi sur les moyens d'éteindre les incendies de forêt avec des additifs chimiques. On sait actuellement que les départs de feu à partir d'un mégot sont très vraisemblables. Et compte tenu du nombre important de mégots retrouvés sur les bords des routes, on s'est posé la question de savoir comment se fait ce départ de feu. Et donc le CEREN a essayé de reconditionner, de retrouver les conditions initiales de ces éclosions. Le mégot, c'est une braise. Donc il va se transporter jusqu'à la végétation. Et là, on rencontre trois paramètres essentiels: les conditions ambiantes, le vent et la végétation. Donc, les conditions ambiantes, en été, la température est élevée, on est à 30 degrés, voire plus, 35 degrés en surface du sol, et l'hygrométrie de l'air est faible. Voilà. Donc ça, c'est les paramètres qui vont favoriser l'éclosion. Par ailleurs, l'orientation du mégot par rapport au vent va attiser cette braise. Et enfin, la végétation, qui est sèche, des brindilles vont se trouver en contact avec cette braise, le feu va couver et ensuite, on a une inflammation. Donc on va d'abord voir une petite fumée se dégager de la paille, hein, de l'herbe sèche. Et puis, à un moment donné, on a l'inflammation. Alors cette petite flamme va progresser rapidement dans l'herbe sèche. Et puis, suivant ce qui se trouve après, on peut avoir un talus avec de la végétation. Et là, le feu va se propager dans le talus et éventuellement dans une forêt. Souvent, on pense que le mégot ne peut pas mettre le feu. Mais compte tenu du nombre important et énorme de mégots qui sont jetés sur les bords des routes, il y a forcément, à un moment donné, on va se retrouver avec un mégot qui est dans les conditions optimales d'éclosion du feu. Donc attention, veillez à ne pas jeter ces mégots par la fenêtre, parce qu'en fait, c'est un geste qui est à haut risque.